Et pourquoi vous l'emportez pas? Il marche jamais cet appareil. Enfin, il est là. Merci. Il faut voir les choses en face. Il n'y a rien à faire. On n'est pas de taille. On va quand même pas se laisser faire sans réagir. Ouais. Si j'ai eu une affaire qui marche aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé. Alors ces fainéants n'ont rien de moi. Réfléchis. Ces fainéants, comme tu dis, risquent de ruiner toute une vie de travail. Et on n'a pas travaillé toute notre vie pour engraisser ces cochons. Il y en a un peu, tiens. Je les recevrai un coup de pied dans les fesses, moi. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut leur montrer qui on est. Qu'on n'est pas des femmelettes. C'est pourtant clair, non? Ces bandits doivent nous respecter. Avoir peur de nous. C'est ce que je voulais vous dire. Il faut que tous les commerçants du quartier fassent bloc. Attention, Giovanni. Ces mecs-là, c'est des durs. Il paie sans discuter, lui. Mais il a obtenu d'eux une réduction en leur montrant qu'il n'était pas n'importe qui. Mais je ne vous cache pas que j'ai peur. Ah, il n'y a pas moyen de s'en sortir. On devrait être au moins 10 ici et tout le monde se dégonfle. Dans le quartier d'Albati, ils ont commencé par exiger 100 000 par mois. Aujourd'hui, ils en sont à 300 000. Thank you.
comme ça. Ouais, et on gagne de moins en moins. Qui le dis-tu? On se demande comment tout ça va se terminer, tiens. On va directement à la faillite. Soyez pas pessimiste comme ça, voyons. Je viens, madame. Bonjour, madame. Vous désirez? Je voudrais du pain à toast. De celui-ci? Oui, c'est ça. Je le mets sur votre compte? Il faut se décider. On parle à tous les autres pour les convaincre. Bon, ben, je vais aller voir Pescantini et puis je téléphone ce soir à Giuliano. Toi, appelle à Mattei. À Mattei? Mais il a rien dans le ventre. Ah, le mieux, c'est de refaire une réunion demain. J'ai bien mon avis. Terminé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tiens bon, on ne risque absolument rien. Non, non, je préfère de loin la résistance. Alors la police, elle ne fait rien. Faites-les dégager. Ça suffit avec les photos maintenant. Mais j'ai besoin de certains documents. Viens, marketing. Excusez-moi d'insister. Connaissez-vous ceux qui ont provoqué l'explosion dans votre bar? Nous avons découvert qu'on vous avait menacé. Dites-moi, qui est venu parler avec vous? Ouais, personne. Voilà, commissaire. Si vous reconnaissez quelqu'un, vous me faites signe. Regardez bien.
C'est lui? C'est lui. Et celui-là? Et lui? Et lui? Il s'appelle Valley. C'est lui? Alors? Vous le reconnaissez? Non. C'est lui qui vous a menacé si vous ne payez pas? Je regrette, commissaire, mais je vous prie de cesser de le questionner. Ils ont peur de parler, comme toujours. Oui, malheureusement. Enfin, tu as sûrement remarqué sa réaction quand je lui ai montré la photo de Valley. Il s'est vendu. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben... Papa, qu'est-ce qu'il a dit? Que ces salauds n'auraient rien de lui, pas un sou. Ah, et il a ajouté qu'il pouvait toujours venir et qu'il n'avait pas peur d'eux. Moi si. On a fini. Comment? Ça marche maintenant, on s'en va. Ah, très bien, merci. Vous êtes bien sûr qu'il fonctionne, ce téléphone? Oui, on va appeler le central pour s'en assurer. Tu as tout? Ah oui, bien sûr. Alors viens. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donne-moi un jeton. Tiens. Je peux téléphoner? Je vous en prie, allez-y. Merci. Il faudra plus te payer, en tout cas. T'es un drôle de pourri, toi. Tu sais qui c'est, le pourri? Le propriétaire du bar. Il vient de dégoiser sur nous, commissaire Griffey. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Alors, dis-moi quelque chose. Je dis que si c'est vrai qu'il a causé de toi, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Thank you.
Me voilà. Ça ne va pas? Vous allez avaler ce comprimé et ça ira mieux. On était 12 mômes à la maison. Pour pas crever de faim, un beau jour, j'ai fait une demande pour être admis dans la police. Et on m'a engagé. Bandits ont provoqué cette explosion. Il s'agit d'une méthode de guérilla qui menace la vie de tous. La population n'a plus confiance en nous. Et elle parle ouvertement de faire justice elle-même. Et quand nous mettons la main sur un de ces criminels, les avocats nous tombent immédiatement dessus. Il faut bien se mettre dans la tête qu'ils sont organisés et qu'ils sont réellement puissants. Aussi qualifiés que nous sur le plan juridique. Et le gros point noir, c'est que les hommes dont nous disposons ne sont pas des gens qualifiés ni spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Vous allez encore dire qu'il faut créer des brigades spéciales. Vous vous répétez, mon vieux. Et je me répéterai jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Je suis têtu. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, la création de ces brigades demande un certain temps. Et pour l'instant, on est dans l'obscurité la plus complète. Non. On est certain que tout ça, c'est l'œuvre de Valli. Le propriétaire de ce local venait de se trahir. Et un de mes hommes a vu Valli près du bar peu avant l'explosion. Avec ça, on n'est pas très riche. Jusqu'à présent, il a toujours réussi à s'en sortir faute de preuves, vous le savez. Alors, comment pensez-vous le coincer? Vous avez une idée? À ma façon. À votre façon? Attention, Griff. Faites tout ce que vous voudrez, mais dans les limites de la loi. Si vos formations spéciales se promenaient en civil et en armes, imaginez un peu ce qui pourrait se passer. Les gens n'en ont rien à foutre que la police soit en uniforme ou en civil. Ce qu'ils veulent, c'est être protégés. Si on ne réagit pas brutalement, les actes criminels se multiplieront. Oui, oui, je vous comprends. Je comprends votre point de vue. Mais attention, le désir de mettre un terme à la violence ne doit pas nous faire commettre des actes inacceptables. Inacceptables? On ne peut pas, au nom de la défense de l'ordre public, trahir les libertés démocratiques. Et laisser la pègre faire la loi, c'est une solution démocratique? Mais il ne s'agit pas de ça. Nous avons tous le désir d'améliorer l'efficacité de la police. Pour ça, il faut faire appel aux meilleurs éléments. Hein? Archive. J'ignore s'il y a quelqu'un. C'est en face. Le commissaire Grigy. C'est là. Il n'y a pas de bon poil. Ça fait 100 fois que je le dis. Je me fous des circulaires. Oui, entrez. Obéissez aveuglément à mes ordres et vous occupez pas des circulaires. Vous avez compris, oui? Portez-vous au ministère. Disposer. Merci. Tapez-moi ça. Ça me fait plaisir de te voir. C'est surtout moi qui suis content de vous voir. Je rentre à Bologne. J'ai réussi à trouver une bonne planque. Oui. Non, je crois pas, non. Oui.
Tu disais? J'ai trouvé une planque, un boulot tranquille. Ah. Et je me suis fait nommer aux archives. À Milan, on était en première ligne. J'ai bien mérité du repos. Pourquoi pas? À Milan, c'était dur. On ne peut pas supporter ça très longtemps. C'est un suicide. La mafia finit toujours par savoir qu'on fait partie de la police et j'avoue que... T'as pris du poids. Je trouve que t'as besoin d'un peu d'exercice. J'ai pas vraiment grossi. Et puis, de quel genre d'exercice il s'agit, au fait? Coller des timbres? Non. Tant de me donner un coup de main. Pour retrouver Valli. Non, merci, j'y tiens pas. On verra. Ah oui, tu t'es fait baiser, quoi. Oh, ben dis donc, on s'est laissé pousser les bacs, hein. C'était beau, ça. Salut. Ah, salut, Jean, ça va? Salut. Salut. Salut, Gianni. C'est parfait comme ça. Bonjour. Asseyez-vous. Éteignez. Attentats contre les trains, les usines, les grands magasins. C'est une véritable guerre. Si un jour l'électricité ou l'eau font défaut dans les villes, on prendra peut-être enfin des mesures énergiques. N'empêche que par rapport à l'année dernière, les vols ont augmenté de près de 30%. Les prises d'otages de 70%. 40 policiers sont morts dans des accrochages avec des criminels ou dans des attentats. Mon opinion est que ce n'est pas en effectif qu'il faut renforcer la police, mais en qualité. Il suffit de penser qu'en France, il y a un agent pour 1310 habitants. En Angleterre, un pour 1480. Alors qu'en Italie, il y en a un pour 230 habitants, dont la plupart travaillent dans les bureaux. Quant aux armes qu'on vole à la police, leur nombre est en constante augmentation et dépasse l'imagination. Au cours des seuls premiers mois de cette année, on a volé 25 mitraillettes, plus de 1000 grenades, 1200 obus de mortier, 5000 pistolets et 6000 bombes lacrymogènes. Sans parler de la morphine qu'on vole par quintaux dans notre pays. Un trafic d'ailleurs qui rapporte des milliards. À l'occasion des deux derniers ratissages, on a trouvé 1100 bâtons de dynamite, 400 000 cartouches, 50 fusils de guerre, 120 grenades. Un véritable arsenal. Avec les armes qu'on a volées l'an dernier, on pourrait armer 4 régiments italiens. C'est pourquoi nos hommes sont souvent moins armés qu'eux. La police doit employer tous les moyens, sauf deux choses que nous devons laisser aux autres. Dans un pays où la crise économique, l'inflation et le chômage ont développé le crime dans toutes ses manifestations, deux choses ne doivent pas exister dans la police. La peur et la corruption. Nous ne devons jamais avoir peur. Et nous devons placer l'intégrité au-dessus de tout. Que cela soit bien clair entre nous, parce que je n'accepterai aucune excuse. Compris, je recommence. C'est ça, plus haut il faut tirer. Ouais. Allez, appuie-toi. Répétons tout ça, attends.
Quand tu m'attaques, là, tire plus haut. Allez. C'est mieux, non? C'est plus efficace. Oui, allons. Allez, une autre fois. Vous voulez une bière, chef? Merci. Eh, n'aie pas peur, tu me prends pas mal, je suis pas une femme. Il y a des femmes qui viennent. Eh, c'est ça, il y en a. Arrête de te déconner. Ah! Attention, regarde ça! Bravo, chef. L'avez-vous vu? Non, mais ça va pas, il est en train de me parler. Ne te laisse jamais distraire. Emportez-les, 1000 lire pour un tapis de bonne qualité, c'est un cadeau. Quoi de neuf, Tonio? Salut, chef, c'est la merde. Les gens ont les jetons et il n'y a pas grand-chose à tirer de nos informateurs. Deux hommes de Valli, Platania et Corsi. Ils bouffent ensemble souvent dans un bistrot de la périphérie sur la Via La Franchi. Mais c'est tout ce qu'on sait. Platania et Corsi? Je suis convaincu que Corsi et Platania sont justement les faux réparateurs de téléphone. Mais encore, faut-il trouver une preuve. Et ça, c'est difficile. On perdra notre temps si ça se trouve. C'est notre putain de métier, que veux-tu? Et Valli? Valli? Pour l'instant, rien. C'est très important. Fais ça pour moi, Tonio. Lâche pas le morceau. Merci. Merci à vous. Ciao. Hé, attendez, je vous ai pas rendu la monnaie. Oui, très bien. Très bien, j'ai compris. Il vaudrait mieux se planquer. Mm-hmm. Vachement en forme, ton frère. Pour être en forme, il est. Il deviendra quelqu'un avant longtemps. Mm-hmm. C'est sûr. Faire travailler les bonnes femmes, c'est un bon métier. Et puis, c'est pas dangereux. Un jour, il a mis deux de ses femmes sous les fenêtres d'un député. La police leur a juste demandé de changer de trottoir. Mais pourquoi il s'appelle le Tunisien? Il a un peu la gueule d'un arabe. Et puis, ça donne du poids. Il dit que ça fait de l'effet sur les putes. Non, il voudrait que je l'aide, mais je ne marche pas. Je connais bien ce métier. Ce qui compte, c'est de faire du blé. Le reste, on s'en fout. La bureaucratie finira un jour par nous tuer. Espérons qu'on l'abattra d'abord. Et ça merde pas, Platania et Corsi. Comme vous dites. Retire une table, j'ai averti le patron. D'accord. Bonjour, monsieur. C'est nous sommes deux. Et certainement. Bonjour, Valli. Thank you.
bien. Dis à ta copine d'être bien sage. Bon. Rentre chez toi, ma Paulette. Je te téléphone ce soir. Ciao. Ça m'emmerde pour Platania. Oh, il n'était pas très utile. Il doit les chiants depuis quelque temps. Et puis je me demande ce que ça peut te faire. Occupe-toi de nous. Et pour le moment, il faudrait peut-être que je laisse tomber les explosifs. Tu ne pourras pas t'en passer très longtemps. Tu vas à la planque habituelle. T'es malade? Ben, comment on reprendra contact? C'est moi qui te préviendrai. Non, mais je suis au courant. Je vous fais mes condoléances pour votre mari. Merci. Si je peux vous être utile à quelque chose. Non. Vous êtes très gentil. Si vous permettez, n'épousez jamais un policier. Aujourd'hui, merci. Il y a tout. Oui, tout. Il faut s'en débarrasser. Tout vendre, tout. Et en vitesse, j'aime pas les risques. J'ai appelé les mecs. T'en fais pas, on va tout refourguer. Baisse pas les prix. Hein. D'accord. Il est déjà sorti. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il y a une heure qu'on a fait ce que t'as demandé. Il est sorti seul? Ah non. Personne ne sort jamais seul de tôle, Bertie, tu dois le savoir. Ils ont fait la malle à cap. Il y a Valli qui est là. Qu'est-ce qu'il veut? Bah, ça, il m'a pas dit. Il est de bon poil? Je comprends rien à ce mec. Moi, je dis qu'il est dingue et que tu devrais faire gaffe. Ça, c'est mes oignons. À propos, disons, comment ça va à la banque? Tout est prêt. Pour quand? Demain, 9h. Bravo. Et à Valli, qu'est-ce que je dis? Jamais se presser.
beau gars. Mais je veux un passeport avec un faux nom qui fasse pas penser au mien. Et pourquoi? Toi, tu risques rien, hein, Bertie? Oui, je sais que t'es en instance d'extradition, mais c'est de la rigolade. T'as un grand avocat, mais... et des amis très puissants qui te protègent, non? Pourvu que ça dure. Mmh. Et toi, tu vas dire que tu es brûlé et que tu as le feu au cul? On a fait trop de bordel avec les bombes. Mais non, réfléchis. Chaque jour, en Italie, 40 personnes meurent au volant de leur voiture. Alors, s'il y a un homme de plus ou de moins qui meurt, les gens, ils s'en foutent. Je sais pas, mais moi, je suis pas du tout d'accord. C'est drôle. Je suis comme un chat. Je sens toujours les tremblements de terre d'avance. Et qui c'est le tremblement de terre? Griffe? Un compte personnel qu'il faudra que je règle personnellement avant de partir. Au dernier moment, bien sûr. Au dernier moment, bien sûr. Toi, les choses importantes, tu les fais quand tu as le couteau sur la gorge. Qui t'a dit que j'avais le couteau sur la gorge? T'as besoin de fric? Oui, beaucoup. Mais ça, alors, c'est pas un problème. Tranquille, je suis un vrai technicien du téléphone. Où est l'appareil, madame, s'il vous plaît? Il est là, au fond, à gauche. Merci. Je ne sais plus qui est vrai et qui est faux. Bougez pas! Ceux-là sont les vrais. Ici le commissaire Griffey, un hold-up vient d'avoir lieu. Les bandits ont filé dans une Giulia de couleur bleue. Envoyez immédiatement la brigade spéciale. Terminé. Chez le toubib, bah t'en fais pas, mon vieux. Pas question d'aller chez le docteur. J'imagine pas que je vais m'arrêter parce que ce con s'est fait flinguer par un flicaillon de merde. En blague. C'est une Alfa Romeo bleue. Prévenez tous les motocyclistes. Il faudrait s'y débarrasser sur toutes les routes qui sortent de la ville et sur le périphérique. Terminé. «
sale con. Eh ben, ralentis. Je vais me faire un carton. Dirigé vers le périphérique ouest. Empruntez la ceinture extérieure. Essayez de leur tirer dessus. Faut jouer le tout pour le tout. Accrochez vos ceintures, je vais entrer dans le trafic. Roule bien droit. Patron, j'ai pas de patron. Ton patron, Bertie. Je l'aurai. Tu prends toujours tout comme si c'était pour toi une affaire d'honneur. Peut-être parce que la police est ma raison de vivre. En fait, c'est vrai, tu as raison. Je ne vis que pour ça. Certains hommes naissent musiciens, toi tu es né flic. Pardon? Laissons ça. Il vaut mieux parler d'autre chose. C'est mieux. Anna. Écoute. J'espérais que tu me consacrerais une part de ta vie. Mais je me suis fait des illusions. Je te raccompagne à la maison. Ne me touche pas. C'est fini. Calme-toi, c'est fini.
t'en supplie, c'est fini. Dans le mille. Cinq fois. Quel tireur. Parce que t'es cocu, tout le monde le sait. Très drôle. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien, il ne se passe rien. Pendant que vous tirez sur des cibles en carton, je sers de cible moi en plein milieu de la ville. Et vous savez qui m'a tiré dessus? Non, je ne sais pas. Valley. L'entraînement est fini, allez-vous-en. Et vous, au lieu de faire les acrobates sur vos motos, allez plutôt faire un tour à Bologne et essayez de me retrouver Valley. On se voit ce soir. Le frère de Platania, celui qu'on appelle le Tunisien, je viens de le repérer. Où l'as-tu? Où il se trouve d'habitude, à la Montagnola chez les putes. Ici. Très bien. Je ne t'ai jamais vu par ici. C'est bien comme coin. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Si tu veux faire le tapin, change de terrain. T'as compris? Tu sauras qu'ici, je suis le patron. Qui la protège. Et tu viens me faire chier dans mon quartier. Arrête! Arrête ou je te tire dans la gueule. Comment ça va, le Tunisien? Tiens, vous êtes là aussi, commissaire. Allez, en voiture, monte vite. Vous changez, on vous attend au bureau.
Qu'est-ce qu'il y a? Toute la police s'est dérangée pour moi. C'est pas d'aujourd'hui que vous savez le métier que je fais, non? Qu'est-ce qui vous prend, commissaire? Cette fois, j'ai l'impression que tu t'es foutu dans une belle merde. Tu as essayé de tuer un policier, et oui, on a des preuves. Tentative d'homicide. C'est très grave, tout ça. Tu peux aller chercher dans les 12 ans. Bah... Dites-moi, commissaire, bah, pourquoi avez-vous décidé de me faire au pape? Nous? Parce que c'est la loi. Oh, un vieux proverbe dit que la loi, c'est comme la mer. Elle monte ou sortir, selon l'heure et le temps. Malheureusement, cette fois-ci, elle monte. Ah oui, ça devait arriver. Tofa s'est fait descendre parce qu'il était complice de Vali. En fait, tu le connais, Vali. Tu sais où il se cache? Oh, vous en avez mis du temps pour me le demander. Mais je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Dommage. Commence à penser à un autre métier. Je te le conseille. Parce que quand tu sortiras de prison, tu seras trop vieux pour faire travailler les femmes. Tu crois pas? Non, je vais parler. Ah, tu vois. Mettez une feuille dans la machine. Notre ami a des tas de choses à nous raconter. Ah, mais c'était pas une dénonciation, hein. C'est un simple témoignage. Les documents que vous m'avez demandés. Merci. Compliment, commissaire. Sans vouloir offenser personne, je dois dire que les policiers font d'excellentes putains. Et je suis tombé dans le piège, comme un con. Mais c'est vrai. Tu ne t'étais aperçu de rien? Absolument de rien. Et pourtant, je m'y connais en putain. En putain et en enfant de putain aussi. Toi, tu restes de garde. D'accord. Allons-y.
Gianni. Où est-il? Par là. Tôt ou tard, je l'aurai. Cette fois, on est arrivé au point de non-retour. Un autre policier se fait crever la peau et Valli s'enfuit tranquillement. Quand je pense que l'information du Tunisien était exacte. Et vous l'avez laissé fuir. Vous devez le capturer à tout prix. Pensez à l'opinion publique. Pourtant, d'après tous les rapports, Valli n'était qu'un petit racketteur de banlieue. Et on ignore pour quelle raison, brusquement, il s'est déchaîné. Il a commencé à se servir de la dynamite. Et il est devenu un redoutable criminel. Un ennemi de l'ordre établi, de notre société. Comme s'il voulait attirer l'attention sur lui. Exact. Pour nous, il n'y a pas le choix. Il faut relever son défi et soit le coffrer, soit le descendre. Notre équipe spéciale est sur le coup. Tout le temps. On a fait le maximum, jour et nuit. Je le sais. Je veux cet homme dans les 48 heures. Je vous donne carte blanche. Vous êtes satisfait? Carte blanche? Magnifique. Thank you.
excuse-moi. Excuse-moi, c'était ton ami, paraît-il, mais il fallait que je puisse te joindre. On a eu du boulot pour l'amener ici, pour le faire parler. Je voulais juste te dire au revoir. Tu pensais peut-être foutre le camp sans me prévenir? Attends, je vais t'expliquer. Ils m'ont coincé. Je pouvais pas faire autrement. Ah oui? Qui ça? Griffy. Griffy m'a coincé, tu comprends? Te casse pas la tête, on lui fera la peau à ce pourri. Regarde, cette valise est pleine de fric. Prends-la, je t'en fais cadeau. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser partir. Mmh. Ah, tu veux t'en aller? Oui, oui. Tu sais que t'es un gros malin. Tu entres dans l'aéroport comme ça, sans être contrôlé. Hey, tu as malheureusement commis une erreur. T'as oublié de me prévenir. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur, hein? Mais il n'y a pas de quoi. Non, il n'y a aucune raison d'avoir les jetons, hein? Je te promets de ne pas te toucher. Je te le jure. Bon voyage. À vous. Je descends. Allez. Griffy m'a coincé. Allez, viens. Je vous le laisse. Je tiens ma parole, je te touche pas. Réduis-le à zéro. Maintenant, prenez la valise. Le seul moyen est de faire le vide autour de lui. Coffrez tous ceux qui ont quelque chose à voir avec lui. Je veux valer ici avant de m'asseoir. Mais si on a un pot comme ça. Si on a un pot comme ça, bien sûr. Allez-y. Et souvenez-vous, il faut le retrouver. Nom de Dieu. Dors. Thank you.
police. Allez vous poster dans le quartier San Donato. Bien reçu. Bien reçu. Terminé. Tu devrais me remercier, toi. 200 000 par mois, c'est un cadeau. L'assurance te coûterait bien plus cher que ça. C'est une affaire. Et puis t'as pas le choix. Mais 200 000 par mois? C'est beaucoup d'argent, beaucoup. Comment je vais faire? Comme tu veux. C'est lui? Oui, c'est lui. Et il faudrait que tu te débrouilles. Je viendrai tous les mois, d'accord? 200 000 quoi? Parce que j'en ai besoin. J'étais gentil de te les prêter, mais maintenant j'ai plus d'argent et il faut que je paye le tailleur. À quoi ça te servirait? Un costume neuf en tôle, tu n'en auras pas besoin. J'ai rien fait, moi, pourquoi j'ai rien que tu nous dises oui, quand c'est... Non, mais lâchez-moi, je vais tout vous dire tout de suite. Surtout, gardez-le. La police procède à l'arrestation en chaîne des complices présumés de Val. Par contre, on reste toujours sans nouvelles de ce dernier. Salut, Corsi. Bouge pas. Police. Allez, suis-moi. Et surtout, fais pas le con. Mais, allez. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je te dirai ça plus tard. Il y a des copains qui t'attendent. Nous recevons à l'instant une dépêche annonçant qu'on a arrêté un nouveau complice de Valli. Il s'agit, semble-t-il, de l'un des deux individus qui plaçait des charges explosives dans les téléphones. Il aurait participé au meurtre du Tunisien et saurait où se trouve Valli. S'il vous plaît, garçon, un café. Bertie? Comment? C'est moi, oui. Il me faut un coup de main. Non, mais tu m'écoutes? Je suis à sec. Oui, il faut un passeport. Non, 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 je ne peux pas venir. Viens, toi. Oui, oui, je sais que t'as fermé ta boîte, je m'en fous. J'ai besoin d'argent. J'ai pas pu avoir plus. On est tous dans la merde. C'est la dernière fois que je te demande quelque chose. Et le passeport? Je te l'ai apporté. Mais si tu te barres pas aujourd'hui, c'est pas aux flics, mais à nous que t'auras affaire. Fils de putain. Commissaire, pourquoi Valli a-t-il tué Bertie? Je crois qu'il ne sait pas ce qu'il fait, c'est un dingue. Un malade. Commissaire, c'est vrai que toutes les actions qu'entreprend Valli sont un défi à la police, et en particulier à vous, commissaire Griffy. Pourquoi? Il ne s'agit pas spécialement de moi. Je crois que c'est un défi à la société. Merci, commissaire. Je vais demander l'avis d'un psychiatre. Pas normal. Tenez-vous bien, les gars, j'ai une bonne surprise. Ce que je vous ai apporté, c'est du premier choix. Vous n'avez jamais rien goûté d'aussi bon, de la bonne neige toute blanche qui vient de Turquie. Il n'y a pas mieux sur le marché, elle est formidable. À côté de ça, le reste, c'est zéro. Laisse-moi sentir. Tiens, quand votre copain aura senti, demandez-lui ce qu'il en pense. Et je vous fais un prix pour étudiant. Eh, où allez-vous? Vous la refusez? Ça va pas. Oh!
Ce sera tellement un bon jour pour toi. Comment, qu'est-ce que c'est? Je suppose que tu es Pierre? En personne. À qui ai-je le plaisir? Écoute, t'as pas intérêt à faire la folle avec moi. Je vais appeler la police, hein? Très bonne idée. Figure-toi que la police est là. Mais non, mais si. Tu veux que je te dise? Oui, oui. Les gens qui font ton boulot, je ne peux pas les voir en peinture. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que tu fournis de la cam à des clients et je veux leur nom. Attention, voilà une cliente, après je vous dirai tout. Très bien, mais fais gaffe. Oui. Bonjour. Je viens chercher ce que vous savez. Donnez-la à moi. De quoi parlez-vous? Mais du temps, qu'est-ce qui se passe? Et toi, pourquoi tu es sorti? Parce que ça vaut mieux de traverser la ville en plein jour. Alors on part, oui. Oui, et à fond de train. Je peux quand même faire ma valise? Tu permets, oui? Non. Écoute, Rita. Tu viens pas avec moi. Tu m'accompagnes jusqu'à un certain endroit. Et je changerai de moyen de transport après ça. Allez, en voiture. On a déjà passé ce quartier au peigne fin. Seul Andrea nous a échappé, mais il n'a rien à voir avec Bali. Cette nuit, on arrêtera cela. Giorgio Gentili manque sur cette liste. Oui, j'écoute. Tenez. Fourmi 2 à Fourmi 1. Commissaire, j'ai repéré celui que nous cherchons. Il est en voiture avec sa petite amie. D'après ce que je crois comprendre, je suis sûr qu'il a l'intention de quitter la ville.
traverse la place en courant. Et il prend le bus numéro 29. Commissaire, je vous laisse. Ça y est, il prend le bus. Il faut que... Non, fais attention. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Merde, il a coupé. Allons-y. Descendez!
espèce d'ordure. Thank you.